C'est le mec, aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va parler de Lionel Messi au PSG, c'est parti. Et avant que la vidéo commence les gars, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi liker et tu peux également activer la petite cloche qui te tiendra au courant des prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne. Et sur ce, on est parti pour parler de Lionel Messi qui pourrait aller du côté du Paris Saint-Germain. Lionel Messi, la photo qui relance le mercato. C'est incroyable de constater une telle chose, mais Lionel Messi est toujours libre de tout contrat, malgré un accord de principe avec le FC Barcelone. Le capitaine du Barça est contraint d'attendre que Juan Laporta diminue la masse salariale du club avant de prolonger. La situation est donc ubuesque, puisque l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football se retrouve libre de tout contrat. Avant de tomber d'accord avec le FC Barcelone pour une prolongation, Lionel Messi a massivement été associé au Paris Saint-Germain. Et si les rumeurs se sont calmées, le PSG ayant quelque peu lâché l'affaire, une photo publiée en ce milieu de semaine par Angel Di Maria risque de relancer les rumeurs les plus folles. Et pour cause, sur son compte Instagram, le gaucher du Paris Saint-Germain a publié une photo sur laquelle on voit Lionel Messi en vacances aux côtés de Verratti, Di Maria ou même Neymar. Messi en vacances avec les stars du Paris Saint-Germain. Toute cette petite bande semble s'attendre pour le mieux. Et ce n'est pas pour déplaire aux supporters du PSG, lesquels ont rapidement fait le lien avec une possibilité de signature à Paris. Reste qu'en dépit de son amitié avec Di Maria, Neymar ou encore Paredes, la star du FC Barcelone ne devrait pas rallier le Paris Saint-Germain. Tout d'abord, sa signature était plus ou moins conditionnée à un départ de Kylian Mbappé. Or, pour le moment, il semblerait que la star de l'équipe de France soit partie pour rester une ultime saison à Paris avant un possible départ pour 0€ dans un an. De plus, et comme indiqué par ailleurs, Lionel Messi a trouvé un accord de principe avec son président Juan Laporta pour prolonger sur le long terme à Barcelone. Un deal que le Barça espère officialiser cette semaine après avoir bouclé quelques départs dans le but de réduire sa masse salariale. Bref, vos amis, pour cette vidéo, donc on voit que Messi il pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain même s'il y a un accord de principe pour la prolongation de contrat avec Juan Laporta et la direction du FC Barcelone. Pourquoi ? Parce que cet accord de principe, je ne sais pas s'il est vraiment fiable. Alors que voilà, là on voit des photos avec que des joueurs du PSG, tout ça, ça semble suspect. Mais du coup voilà, surtout qu'Mbappé, bon, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va pas partir, ça on n'en sait rien. Mais s'il part, il y a de grandes chances que l'Argentin débarque à Paris. Bref, vos amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.